c'est la caméra. Bon, ça. Ça, c'est la caméra. Ah, on va laisser recommencer. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les commissaires? Non, mais vous lui mettez la limite le pointage que vous voulez. Mais tu veux essayer de repasser à zéro, Dani, ou pas? On va essayer. Pour le film, hein? Allez, go. Il faut que ça reste rouge. Ouais. Quand tu. Bon. Ça va ? Rouge, ça et après je faut que ça reste rouge. Ouais, je rappuie. Ça
pouvoir assister à un qu'on a pu utiliser pour le parking. Voilà, je vais remercier parce que les autorisations des municipalités, un trial comme aujourd'hui et hier n'aurait pas pu se faire. Je voudrais remercier également l'OMECAS qui nous verse des subventions régulièrement des années et qui en fait est la société qui représente toutes les associations de la ville de Soultz. Je tiens à remercier également l'ONF et les chasseurs, sans qui on n'aurait pas pu faire de trial non plus. Et ensuite, quelques entreprises comme Super U de Bolvillers, les établissements Érisés. Voilà. Vous avez pu apprécier hier les champs. Ensuite, le Crédit Mutuel, la Banque Populaire. Voilà, ça c'était les remerciements pour les sociétés et les municipalités. Ensuite, un grand merci à tous les commissaires. Surtout qu'ils ont eu droit à battre du soleil pendant les deux jours, donc ça n'a pas été évident pour eux. Et là, je tiens à les remercier tous parce qu'on a eu 31 commissaires hier et 35 commissaires aujourd'hui. Et vous savez tous que ce n'est pas évident pour ceux qui organisent cette triade de trouver des commissaires suffisants souvent pour, surtout quand on a 17 zones. Voilà. Ensuite, je voudrais remercier tous les membres du club qui ont participé à l'organisation de ce triade parce que ça a été une grosse organisation. Et dans les gens que je veux remercier, c'est tout particulièrement nos épouses. Qui se sont occupés du repas du service hier soir et de tous les gâteaux que vous avez pu manger pendant ces deux jours. Voilà, je voudrais remercier tout particulièrement Nicolas Élisée. Je ne sais pas où il est. Il faut savoir que c'est lui qui s'est occupé de l'infrastructure du stand de guerre, de l'intendance, de la logistique. Il a fait un sacré boulot avec ses copains pompiers pour mettre l'électricité, etc. Merci encore à Nicolas. À Michel Muret qui s'est occupé des commissaires et du chapiteau. Aux traceurs, c'est-à-dire à Thierry, André, Étienne, Bernard et Jean-Luc, parce qu'ils ont fait de très belles zones. À Fernand Yacubi qui était au barbecue, parce que c'est important ça aussi. Philippe, notre ami Philippe qui était au départ, et c'est Monsieur l'horloge. Michel Locher qui s'est occupé des résultats et des inscriptions. Et un travail ingrat mais qui a été fait très bien, c'est Christophe Kaufmann qui s'est occupé du parking. Voilà. Bon, et bien maintenant on va commencer les résultats. Alors, on va commencer par les gentlemen. Alors, premier, Maurer Marc, avec 8 points. Parce qu'il s'est fait opérer du genou il y a 3 ou 4 semaines et normalement il roule dans une catégorie un peu supérieure, mais là bravo quand même parce que en étant opéré il y a 4 semaines, se monter sur une moto, surtout un triathlon qui n'est pas trop facile, bravo, bravo, bravo. Alors, le deuxième, c'est notre ami Stanfi Ernst. Je tiens à féliciter. Parce que Ernst, il est venu à tous les trials que nous avons organisés. Voilà. Donc, bravo. On va lui donner un deuxième petit lot parce que c'est un des concurrents les plus
Le troisième, c'est David Jacky. Bravo. Donc, le quatrième, c'est Thur Patrick. Ah ben, Patrick. Bravo, oh! Bravo, attends! Et Bénédicte! Oh, c'est la bise! Cinquième, c'est notre ami Mel Bernard. Wow. Sixième, Blanc-Michel. Oh, la bougie. Ah, Bernard, tu prends la bise. Ah oui, Bernard, allez, il a gardé le billet. L'homme à la bougie. Ah, et on tient à le remercier parce que hier soir, il a mis sa camionnette ici pour surveiller un petit peu ce qui se passait ici. À la douche. Ouais, quasiment. Tiens, il faut que tu ailles surveiller grand-chose. Avec 14 points, c'est un bon résultat. Donc, ensuite, le deuxième, c'est Schmidt Ulrich. Et le troisième, c'est l'Angeau René. Bravo, bravo, bravo. Merci hein, pour le maillot. Alors, suite des résultats, Gonzalez Thomas 4e, bravo Thomas. Bravo, bravo. 5e, Werner Stéphane. Il y a une copine pour Christophe. 6e, Vivien Maxime. Salut, non, non. 7e, Michel. Il y a des résultats là, maintenant. Hein. Non, bizarre, il en fait 2e. C'est la grosse que tu as. 10e, parce que j'ai vu des croisements de ça. C'est à l'heure extrême. C'est bien. Premier, Nico Jean-Jacques. Bravo, bravo. Quelqu'un qui s'est roulé sur une vraie moto. Alors, deuxième, Roux Dominique. Troisième, Gunier Eric. Quatrième, Debucois Michel. Cinquième, Kempfer Edouard. Sixième, Garçon Joël. Et septième, Louis Jean. Voilà. Donc, on va passer à la catégorie Critérium. Alors, le premier, Vaillant Pierre. Avec
La deuxième, Gigo Victor. Comme Victor fait partie des gens qui sont toujours venus au triathlon de Soultz, on lui donne en plus de la coupe, parce que les coupes, Victor, il y en a. Il aura beau souvenir encore de Soultz. Merci pour tout, Victor. Merci, Victor. Je tiens à remercier également René, son épouse, qui est toujours de bonne humeur, qui est toujours sympathique dans toutes les zones. Quatrième, Evie Christian. Je sais. Bravo.
Jean-Marc. 7e, Burnichon Philippe. 8e, c'est la femme Thierry Violini qui fait une bonne photo. 9e, Faïk Martin. Et 10e, Travers Walter. Et maintenant, nous allons prendre la dernière catégorie, la plus difficile, donc les inters. Avec premier, c'est David. Voilà, bravo. Avec une Honda TLR, c'est bien. Deuxième, Faïd Mathieu. Mathieu, j'ai pas vu de la journée, quoi. J'ai pas vu de la journée, genre, hein, non. Pardon, Mathieu. Après, tu dis, c'est un vieux. Troisième, petit demange, Michel. Ouais ouais ouais. Bravo. Bravo. Quatrième, nourrisson Christian. Cinquième, Jean-Olivier, que je tiens à féliciter parce qu'il s'est blessé hier et il a quand même roulé aujourd'hui. Donc, bravo. Voilà, donc le trial est terminé, donc on vous a mis tout ça un petit vin d'honneur. Tout ce que je voulais encore dire... Ah, pardon, c'est pas bien. Alors, on voulait donner un petit cadeau au trialiste le plus jeune. Mais c'est qui le plus jeune? Alors, c'était... Voilà, chacun vous recevrez un maillot. On évite de donner des bouteilles aux jeunes. Donc, aux deux plus anciens, on a distribué, aux deux plus jeunes, et maintenant, il reste encore à donner une bouteille à la seule femme qui a roulé aujourd'hui, qui a roulé donc deux jours, c'est à Claude Morel. Voilà, donc je voulais juste rajouter encore que cette organisation, vous devez vous en douter, nous a demandé beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'on a eu 85 inscrits au départ et aujourd'hui on a eu 77 pilotes. Donc c'est, on est content parce que tous les gens qui sont venus aujourd'hui, on les remercie tout le temps. Ça leur a tous plu. Et on aurait, c'est vrai que si on avait eu 10 pilotes de plus, ça aurait été encore un peu plus sympa. Donc j'espère que vous direz bien à tous les gens que vous rencontrerez dans les autres triales, que le trial de Sousse est un bon trial et que quand on va le refaire dans 2 ans, on aura un peu plus de pilotes. Voilà, merci.